qui a dénoncé Zak banditisme qui a développé dans la troisième circonscription Port-au-Prince. On a toujours été ensemble avec l'ancien député Ulrich Saint-Cyr qui a réagi sous déclaration président République Jovenel Moïse côté le mandat de la communauté internationale là support dans l'idée pour bataille contre bandits qui a ferraillé dans divers quartiers populaires comme Matisse Badelma, La Saline, Cité Soleil et Latrier. Dirigeants politiques qui fait qu'on est bourré d'international pas résoudre rien. C'est peuple haïtien qui peut prendre responsabilité là pour être profité critiquer la communauté internationale et dire qu'il n'est pas suspendu supporter chef l'État Jovenel Moïse dans une série mauvais à décision de côté une autre fois. Ulrich Saint-Cyr toujours dans le micro. Blaise Peterson. Bon, n'a pas dit que le pouvoir PHTK cette calia, option que le choisit, je vais vous dire, de la politique de la terre blanche. Côté que les mêmes avec gang, ils mettaient en terreur en la population. Une façon pour que ils ont fait appel à la communauté internationale, côté que pour une façon tout le monde bête. Donc ça, c'est la nouvelle stratégie. Après, on finit tenter de bloquer la population et dans différents quartiers populaires, pour ne pas sortir, pour ne pas manifester. Ils ont rendu compte que malgré ça, il y a de mobilisation monstre qui fait dans le pays. Ils ont tenté pour qu'ils aillent dans le référendum. Ils ont rendu compte que la population a mobilisé comme un seul homme. Et d'ailleurs, vous êtes au courant que le secteur démocratique a été en train de tourner à travers le pays pour dire non à la question du référendum. Non? Eh bien, je vous dis, et toute tentative que vous faites échoué, donc, pour nous aller, c'est comme Sindado, c'est politique, tout le monde perd du temps, c'est vers ça que vous allez. Et c'est ça que fait, vous mettez situation de terreur, ça, vous mettez violence, ça, insécurité planifiée ça, dans le pays, hein, pour que international là, on compte que c'est lui-même qui doit intervenir. Ah ben, on a profité de lancer appel à international là pour nous dire que et haïtiens ont une capacité pour que résoudre le problème. Ils ont seulement demandé pour que ils suspendent supporter pouvoir de facto ça qui mêlé avec gang armée qui terrorise la population. Nous demandons l'ambassade des États-Unis d'Amérique, ambassade française, nous demander organisation internationale et Nations Unies pour suspendre supporter le régime ça qui a terrorisé la population haïtienne. 6h10. Nous pas complices lancer un appel à l'autorité ou dans le gouvernement pour prendre disposition nécessaire pour permettre de déplacer Matisse qui est papillé dans divers espaces à retourner la caillou comme ça doit. À cause d'un nègre politique, autorité à un secteur privé cafonisable dans quartier populaire, inégalité sociale, c'est plus gros cause phénomène gagnant d'après groupe Petro Challenger Silla qui c'est nos pas complices. Ensuite, un reportage avec un collaborateur nous, José Bellamour, sur le dossier Silla. Phénomène insécurité qui a saccagé pays a depuis quelques temps, et spécialement dans quartier Matissan, révolté en pile monde dans la société a, ça qui la cause en pile famille courir quitter Kayo pour échapper à ce groupe armé qui a touché dans la zone. Nan. Citoyens Sayo toujours éparpillés dans divers espaces depuis jour guerre a éclaté dans date 1er juin 2021. Plus passé 20 jours après, aucun mesi pour comprendre pour permettre victimes de retourner la caillou. Devant situation ça, Ricardo Fleuridor, un responsable non pas complice, mandé autorité concernée yo prendre responsabilité yo. Ça qu'a pensé à lui vraiment toucher nous et penser nous même non pas complice. Nous avons responsabilité pour nous mettre pression sur l'État ça pour permettre que chef gouvernement pour permettre que président de la République là prenne toutes dispositions légales qui nécessaires pour encadrer moun sa pour retourner la caillou. Si gouvernement n'a incapacité pour établir l'ordre dans quartier Matissan pour faciliter victimes yo retourner la caillou, Ricardo Fleuridor fait proposition ça. Et pour nous, je nous entendre un compromis avec Bandio, si vous êtes capable de venir, parce que nous avons toute tentative qui fait avec la police là, pour permettre la situation sécurité là, de retourner dans la zone ça, mais nous avons une situation à dégrader. D'après dirigeants, nous pas complices là, ces problèmes, inégalité sociale qui gagne dans le pays, qui pousse un pile jeune livré dans l'activité banditiste. Mettez sous ça, l'État haïtien qui n'a pas créé conditions pour jeunes saillants vivre tant que monde, si tout dans le quartier populaire. Jeunes là, qui pourquoi yo, vous mettez tuer tel monde là, qui met tel zone de messe. Avec 50 autres noms qui viennent remplacer. Ça te mène là, c'est parce que bon l'État qui est exécrable, bon l'État qui est inexistant, bon l'État qui pas créé conditions pour monde investir, pour créer richesse, pour créer emploi. Ça permet que vous venez à tous les jeunes qui mettent dans la tête, pas qu'un seul ou deux sorties, même là, vous pas vivre longtemps, ces âmes, vous ne pouvez pas vivre avec madame la petite. Ça veut dire inégalité sociale que nous avons là, ni pour beaucoup dans ça nous avons là. Vous pensez si jeunes ont d'autres moyens, maman, soeur, petite, ont d'autres moyens, ces âmes, vous ne pouvez jamais. C'est parce que justement l'État
ça, qui désorienter l'État ça, désorganiser l'État ça, pas favoriser création d'emplois, création de richesse, qui vient faire que je ne le dis pas, n'a vivre dans mon économie, richesse pays arrêté dans mon seul groupe monde. Qui ça qui t'a dû fait pour résoudre le phénomène banditiste dans le pays? Ricardo Fleuridor répond comme ça. Pour redéfinir l'État dans zone ça, au service avec la population, pour permettre que vous une solution avec si monsieur ça, qui t'a qu'à servir pays dans d'autres champs, en plus là dedans depuis souvent qu'à l'école, qui t'a qu'à servir pays, qui t'a qu'à servir communauté, élite intellectuelle là, élite économique là, élite politique là, élite médiatique là, yo gen responsabilité yo, même si y a vivre de tête yo, mais pour comprendre que pays a c'est là y a vivre pour créer la vie avec jeunes femmes, jeunes garçons, ça pour voyer espoir ba yo. En tout cas, d'après un rapport Centre Analyse Recherche sous question droit moun, cadre mettait d'ailleurs affrontement groupe armé dans zone métropolitaine nan la cause environ 10 000 moun qui était la caillou, 2 000 là-dedans yo sorti dans quartier Matissan. Josué Belamont, Radio Méga. Merci ensemble avec Josué Belamont pour dossier ici là. Nous poursuivons ensemble avec information. Nous après tout ensemble avec ancien parlementaire Ulrich Saint-Cyr. Mais fois ça, c'est sous yon lot dossier. C'est question politique, c'est parlementaire, critiquer divers l'antichamp politique d'opposition qui, d'après les passants battables, pour négocier avec le président Jovenel Moïse, pour capable rentrer dans le gouvernement national pour voir parler à, dirigeant politique renouvelé détermination secteur pour parler chita, parler à qui peut place là, pendant le dossier au pinga, bayakte, qui t'a gagné dans tête, yo, à rentrer dans le pouvoir si là, on s'est parlementaire, mandé population continue mobiliser jusqu'à ce que Yovic capote chef l'État, en côté, yon l'autre fois, Ulrich Saint-Cyr, toujours dans le coblesse, opposition, c'est une opposition plurielle. Et en tant que tel, nous-mêmes, nous tracer ligne de bataille déjà, en tant que secteur démocratique là. Nous dit que nous pas dans cohabitation avec Jovenel, nous pas dans élection avec Jovenel, nous pas dans référendum avec Jovenel. Et quel que soit le monde, quel que soit secteur dans l'opposition qui tentait en cohabitation avec Jovenel, eh bien, le secteur démocratique trouvait en face automatiquement parce que nous, clair que la bataille politique qui a fait là, situation lamentable que le pays a vive, crime qui a fait dans le pays, monde qui a déplacé, gang qui occupait tout l'espace pays, c'est le pouvoir Jovenel Moïse qui mettait le pays dans la situation là. Il est inconcevable pour que, je vous le dis, c'est le même pouvoir ça. Qui mandat fini depuis 7 février 2021, et c'est lui-même pour le monde comprendre que la chita arrête de faire gouvernement avec lui. Donc ça, nous, au niveau du secteur démocratique et populaire, nous n'allons pas accepter ça et nous avons combattu de toute force nous pour que nous allions droit dans le gouvernement de transition. 6h15. Nous poursuivons ensemble avec information yo, toujours dossier politique, groupe suivi 4 décembre contre dictature annoncé. Yon journée mobilisation 27 juin qui a vidé là, pasteur Luivio Duvernay décrit une situation tête chargée pays qu'on est depuis quelque temps, surtout dans quartier populaire yo, leader religieux a demandé population prend la dimanche ça pour demander autorité ça yo démissionner. On côté pasteur Luivio Duvernay Namiko Jean-Philippe Massé. Moun ki la dan rele haïtien et gen pil haïtien qui c'est des réfugiés. Réfugiés, ça y est, aux jeunes d'Elma, aux jeunes Bel Air, aux jeunes Saint-Martin, aux jeunes Martissant, aux jeunes de tous côtés. Des gens qui ont boulé caillou, pas de monde qui dit rien, qui ont boulé caillou. Les gens ont tué, ils ont crasé, pas de monde qui dit rien. L'Église dit non. L'Église dit pas d'accord. Si Christ est là, Christ a monté au créneau. Il y a des gens qui ont pris un bâton. Si Christ est là, nous connaissons ça, il a été fait longtemps. Et on connaît. Non seulement nous dit non, en tant que l'Église, mais nous parlons pas le voyons. Et non seulement nous parlons pas le voyons pour l'instant, mais chemin faisant, à collègues pasteurs nous gagnons à travers le monde, nous avons une chita avec eux, pour nous dire comment nous avons rebâti nous. Parce que je ne veux pas qu'à faire, parce que nous avons un bazan, il y a un pharaon qui l'en parle. Nous ne pouvons pas faire. Mais je dois venir quand même. Il doit partir. Il partira inévitablement, ce monsieur-là. Par conséquent, regardez. Nous n'avons pas réalisé, nous avons mouru des dizaines de personnes mouru par jour dans le corona. Par les gens qui disent, ou dit, mais côté santé publique, côté monde qui a fait pression sur ça y aurait les dirigeants, yo, ça y aurait les dirigeants. Vous voyez ça vous fait? Il y a le grand vaccin Miami, et puis le peuple a mouru ici, il y a le grand vaccin Miami. Non, mais pour me dire que nous n'avons pas de corona,
Mais c'est après fameuse fête qui était faite Saint-Domingue, non? Nous avons le coronavirus. Et eux-mêmes, il y a le grand vaccin Miami. Nous avons toujours été avec ensemble leader religieux Sayo et pasteur Gérald Bataille qui dénonce l'autorité au lit qui paraît impuissant et puis complice des vraies situations pays qu'on est depuis quelque temps. Grand goût, misère et sécurité tout partout. Pasteur a critiqué mauvaise gestion l'étape fin dans le dossier coronavirus. Non, côté en pile autorité déjà à prendre vaccin l'autre pays pour la population haïtienne. Non, la tête chargée. Non, confusion d'après ça, pasteur Gérald Bataille lui-même dit, probablement des citoyens yo pour yo pied de béton hein, pour les Charles Barrede autorité si la yo en côté pasteur Gérald Bataille dans micro Jean-Philippe Massé hein. L'envoyer yo servante dans marché avec $100 dans le temps et mes sous des comptes 100 by $100 qu'on y a forcé 1000 côte bay la vie chère corona nan commun et puis dirigeant yo pas dit rien. Il n'y a pas même d'où qui ça pour faire. Pendant ce temps, il y aura tout l'autre pays à prendre vaccin. Et peuple là, lui-même, lui, aux abois. Pour entrer dans l'hôpital privé, pour obliger bail $50,000 ou Sandakare les 250 000 gouttes. Là, faut à bail et leur bail. 250 000 gouttes, ça, c'est comme dépôt pour capable rentrer, pour prendre soin sous ta corona. Donc, dirigeant, moun qui dit, yo c'est dirigeant, moi relé yo soi-disant dirigeant, yo irresponsable, yo pas responsable. Yo pas moun ki responsable. Yo pas dirigé. Et c'est pour ça, nous mandons pour la population, hein. Nous mandons pour le peuple, là, lever camper pour nous dire, faux dirigeants, ça, yo. Au top côté déclaration, pasteur Gérald Bataille, c'est pas l'occasion pour marcher contre référendum, non. Pouvoir toujours qu'il y ait dans tête pour l'organiser d'après secteur démocratique et populaire qui court mouvement protestation, ça. Fernando Duclerc qui s'est eu n'importe quoi porte-parole secteur a fait qu'on est mouvement protestation, ça a démarré qu'à fois aéroport pour aller bout devant palais national. N'a l'idée pour capable voir un message clé par le président Jovenel Moïse en côté déclaration Fernando Duclerc. 27 qui a privé là, conseil électoral là, t'es blé pour mascarade. Nous devons faire un référendum et nous devons voir que la population, peuple haïtien, organisation de base, organisation populaire, de stopper ça. Et nous disons bravo avec eux. Et nous disons 27 là, nous prenons un référendum populaire et nous dans la rue le 27. Et nous invitons la population pour venir dans la rue le 27. Et nous prenons un bagage très simple. Comment que nous comprenons des séries de gens qui contrôlent le pays même? Des séries de mouvements contre Matissan, il n'y a pas contre Delma 6, il n'y a pas contre Bel Air, il n'y a pas contre aucun côté de pays qui a réalisé l'élection. Comme dirait le professeur Maniga, vous n'êtes pas sérieux. Si la Maniga t'a dit, nous pas sérieux, nous pas quitter nous organiser l'élection. Non, secteur démocratique là, nous pas d'élection à Jovenel Moïse, et nous dit mandat fini, et c'est dans la mobilisation nous y est, c'est là nous y est. Et pour me terminer, m'a dit que les mêmes mots, les mêmes paroles, de Maître Droval, le pays n'est pas dirigé, le pays n'est pas administré, et nous-mêmes nous disons que c'est un combat. Le secteur démocratique a une bataille et nous ne pouvons pas faire marque. C'est peut-être ça. Nous n'a toujours été avec ensemble de responsables ça qui eux-mêmes t'ai rencontré la presse hier Madia pour pasteur Gérald Bataille les faits qu'on est là décision pour retirer les armes dans main policier cap assis et sécurité juge instruction Renor résistance et en façon pour opini juge là à cause d'invité premier dame nan, Martine Moïse vinn ba explication sur dossier assassinat maître Montferrier d'Ovalan donc Gérald Bataille croit l'innormal pour juge demander madame président vinn ba explication sur dossier ça par rapport à qu'a déclaration président Jovenel Moïse t'est fait dans la presse quand elle t'est fait qu'on est. Action a passé à 10h13 et puis à 10h15, madame n'est montré le vidéo. C'est ça, président lui-même t'est déclaré dans divers médias t'a fait la navette dans plusieurs médias quand il t'a parlé sur cause et ça tout. Dans ce sens, les conseillers juges Renan Régis à l'école dans dossier ça. En attendant notre pouvoir venir pour Dorval, maître Dorval, ancien partenaire d'avocat de Prince, capable jeune justice, en côté pasteur Gérald Bataille pour plus de détails. Si le grand journaliste Haïti Inter
pas de jambes de justice. C'est dans un pile gourmet pour Montferrier, d'Oval. Ça capable de jouer une justice. Et c'est peut-être ça, moi-même, ensemble avec ou même et avec la population, je dois accélérer dans l'action que nous avons menée. J'aime comprendre ce que là. Monsieur logistique PNH qui retire les âmes dans main sécurité juge là, c'est une façon pour vous dire yo même yo vle juge la mourir. Ça c'est salier.